OK, bonsoir tout le monde. Un petit test, Mme Rogelli, est-ce que vous nous entendez? Parfait, numéro un, parfait, merci. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance séance spéciale qui est tenue à Saint-Paul-de-Montmigny le mercredi 4 janvier 2023 à 19h30. Au 304 4e avenue Saint-Paul-de-Montmigny. Ordre du jour. Ouverture de la séance, au point 1. Au point 2, lecture et abrogation de l'ordre du jour. Au point 3, période de questions sur le fonctionnement. Au point 4, réengagement de la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. Au point 5, période de questions. Au point 6, levée de la séance. Est-ce qu'il y aurait un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose. Monsieur Tanguay, secondé de. Je seconde. Monsieur Mirat. Je vais profiter de l'occasion pour ceux qui sont là, ceux qui l'écouteront, pour souhaiter la bonne année à tous. Je vais commencer par souhaiter la bonne année aux membres du conseil qui sont là, présents, qui travaillent pour la communauté de Saint-Paul. La communauté de Saint-Paul, vraiment, on met du temps, on met de l'énergie. Je les remercie et je leur souhaite une très belle année 2023. Je souhaite une très belle année 2023 également à la direction de la municipalité qui est là présentement. Je souhaite une bonne année au personnel, soit à temps plein, ou bien, j'ai pris le temps de le prendre en note également, parce que soit à temps plein, ou bien le personnel, la municipalité, c'est du monde, des fois, qui font du bénévolat, c'est du monde qui font des choses qui ne sont pas là à temps plein, mais qui vont faire un petit coup de main, qui vont faire en sorte que la municipalité fonctionne. Je souhaite à tous une très belle année 2023. Je souhaite, en terminant, une très belle année 2023 aux contribuables de Saint-Paul. Aux contribuables qui soient présents à temps plein, permanents à Saint-Paul, ou aux contribuables qui sont là occasionnellement, mais qui sont contribuables de Saint-Paul. Peut-être qu'on ne voit pas souvent, ou donc qu'on va rencontrer une fois par année, ou qu'on rencontrera peut-être même pas, mais quand vous passez à Saint-Paul, là, moi, je vous dis à toutes vous autres, là, bonne année 2023 et je vous souhaite ça dans la santé. On serait rendu au point 3, période de questions sur le fonctionnement. C'est les périodes de questions qui vont être à la fin. Au point 4, réengagement de la directrice générale adjointe, greffière, trésorière. C'est le but de la rencontre de ce soir. Moi, je vais prendre la résolution, je vais prendre le temps de la lire, là. Réengagement de la directrice générale adjointe des greffières trésorières adjointe. Entendu que Mme Claudette Aubé avait été nommée adjointe à la comptabilité le 6 décembre 2021. Entendu que Mme Claudette Aubé avait été également nommée le 14 février 2022 directrice générale adjointe greffière trésorière adjointe en l'absence du directeur général et greffier trésorier. Nomination qui devait être temporaire pour une période de 6 mois, entendu que le directeur. On vous demanderait de fermer vos micros, s'il vous plaît, peut-être. C'est juste pour être sûr que ce soit bien correct pour tout le monde. Entendu que le directeur général, greffier, trésorier a quitté définitivement ses fonctions le 2 mai 2022. Entendu que Mme Claudette Aubé a été de nouveau nommée directrice générale adjointe trésorière, greffière trésorière adjointe le 28 juillet 2022 pour une période se terminant le 31 décembre 2022. Entendu que le poste du directeur général greffier trésorier n'est pas encore comblé et encore en processus d'affichage. Entendu que Mme Claudette Aubé est consentante à continuer à occuper le poste de directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. Entendu que les parties désirent consigner dans un contrat les conditions de travail de la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. Entendu que ce contrat n'a pas pour effet de limiter les droits, privilèges et avantages prévus à la loi sur les normes du travail, les proposés par ce qu'on les part, d'engager
de réengager rétrospectivement au 1er janvier 2023 Mme Claudette Aubé au poste de directrice adjointe et greffière trésorière adjointe pour une période indéterminée, avec une clause réciproque de fin d'emploi moyennant un préavis écrit de 30 jours. De considérer que la période de son service continue se calcule à compter du 6 décembre 2021. D'autoriser le maire, M. Alain Talbot, à signer le contrat de travail établi pour et au nom de la municipalité de Saint-Paul. Adopté, proposé, sur vous. Questions, commentaires? Permettez, j'ai juste une faute de frappe à nomination. D'un PUJ. Autre commentaire? Non. Proposant? Oui, proposé. Proposé par M. Guy Boivin. Second. Madame Marie-Hélène. Oui. 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 À l'unanimité. Période de questions, messieurs, dames, les conseillers. Oui. Une déclaration à faire, là, c'est que j'ai reçu le dépôt de la déclaration de M. Serge Lavoie de ses intérêts pécuniaires, comme c'était avec lui. Que vous avez reçu ce soir. C'est ça. Avant la réunion. Parfait. Précision, OK. Pour bien, période de questions? Pas de période de questions? Non. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Seulement sur le réengagement de la direction. OK, non. Ah. Oui, non. Mais moi, je vais une réunion spéciale. Oui, non. Je pense que vous pouvez poser des questions. OK, posez votre question, on verra si on y répond. C'est une question. On peut-tu remercier de l'apport des services incendie, des lumières, des élus à matin qui sont installés. OK, parfait. Parfait, merci. Peut-être prendre une petite note sur le bras verbal, un remerciement. Excellent, merci. Autre question? Non. Parfait. Proposeur pour lever la réunion. Je propose. Monsieur Mérin, secondé de. D'accord. Monsieur Lennon, merci beaucoup à tout le monde. Puis encore une fois, profitez de la belle température presque printanière. Je vous souhaite encore une fois, au nom du conseil, je pense également les membres du conseil se joignent à moi là, pour vous souhaiter une très belle année 2023. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Merci, monsieur.